Salut les abonnés et bienvenue dans cette dernière vidéo unboxing du calendrier de l'Avent de chez Cash Village. Donc ça y est, c'est la dernière enveloppe, c'est fini, enfin c'est la fin. Et bon bah ça fait quelque chose parce qu'on s'habitue à faire ce petit unboxing tous les jours, mais bon, c'est comme ça et puis vivement l'année prochaine. Donc la vidéo va se décomposer en deux parties, la première partie l'unboxing et la deuxième partie on va faire le bilan avec tout ce qu'on a pu obtenir dans ce calendrier et je vous donnerai mon avis, mon ressenti par rapport à tout ce qu'on a pu découvrir ensemble. Voilà, allez, sans plus attendre, on ouvre la petite enveloppe. Enfin la petite. Donc c'est une grande enveloppe que voici, l'enveloppe du 24 qui contient la dernière pièce de Pulse que je vous présenterai également à la fin de la vidéo. Alors, donc on a la pièce de Pulse, voici. Tac. Le Pulse est complet. Et nous avons, alors je ressens un badge. Donc, c'est un badge traçable, donc n'hésitez pas à les loguer, je pense que c'est un peu comme les box mensuelles, c'est le livre d'or en gros du calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce calendrier de l'Avent que vous avez pu découvrir avec moi, et je vous montre le tracap tout de suite, et j'essaye de vous mettre, si on voit pas bien le numéro juste en dessous. Voilà. Ouh, c'est un TB. Un TB, donc ça sent le TB fait maison, enfin fabriqué par Cash Village. Oh oui, ça, voilà. Donc, je vous fais découvrir ce joli TB, donc Joyeux Noël, en forme de boule de Noël. Voilà. Et l'autre côté, je flouterai bien sûr le numéro de tracable. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voici. Tac. Donc avec un Père Noël qui tient la liste pour savoir si on a été sage. Et de l'autre côté, donc le Père Noël avec un jeune renne avec un logo de géocaching et quelques cadeaux. Voilà, donc waouh, cette dernière enveloppe était plutôt riche. Donc on a un TB, un badge traçable, donc livre d'or de la box. Donc n'hésitez vraiment pas à aller donner votre avis. Et la dernière pièce du Pulse. Allez, sans plus attendre, je fais un peu de place parce qu'il y a mine de rien pas mal de choses à ressortir. Et on se retrouve pour le bilan de ce super calendrier de l'Avent. Hop, j'ai oublié quelque chose. J'ai vu, je l'avais pas très bien vu en fait parce que bois sur bois, ça se confond. Je viens de voir qu'il y a un joli wooden token et pas un geowood. Donc en fait, fabriqué, en fait, qu'il a fabriqué, enfin fait par main en gros par Cash Village, donc Bordeaux 2017. Donc c'est le petit wooden token en fait. Du calendrier de l'Avent. Voilà, allez, c'est parti pour le bilan. Alors le bilan, je vais commencer à grosso modo énumérer très rapidement le nombre, enfin les cadeaux qu'on a pu avoir. Donc déjà de base, on a eu le Pulse qui a été le fil rouge tout au long du calendrier et ça, j'ai trouvé ça juste superbe. Donc un Pulse de 24 pièces qui représente Géo Noël avec tout ce qu'on peut trouver, mais ça vous verrez à la fin de la vidéo donc en photo et qui peut être sans aucun problème réutilisable. Voilà, on peut s'amuser à y créer des mystéries, etc., à les écrire et à les mettre dans une boîte. Et voilà, une mystérie assez simple, accessible aux enfants, familiale. Donc on a eu ça, on a eu 5 badges en tout, dont un badge de la boîte, donc le livre d'or que je vous ai mis donc en début de vidéo. Donc 4 autres badges classiques. On a eu un super gobelet pliable, voilà, qui marche aussi bien avec le chaud que le froid. On a eu un paquet de swag. On a eu un kit pour faire une cache de nuit, on a eu 4 wooden tokens en comptant le wooden token de la boîte, on a eu des pochoirs, on a eu un porte-clés en tout début de calendrier, on a eu également un sticker signé The Frog de grande taille, on a eu un Père Noël Lego à monter, on a eu ce superbe petit étui donc isotherme I Love Geocaching, on a eu également un lot de logbook Right in the Rain avec 3 crayons papier, on a eu deux patchs. Deux petits patchs, donc qui étaient plutôt sympas. Et on a eu trois caches, dont une magnétique et deux caches insectes. Voilà, donc ça c'était plutôt très 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 fun. Et trois TB, donc un TB flag, un TB qu'on a vu en forme d'ADN aux couleurs du geocaching, et le TB donc d'aujourd'hui qui est le TB de Noël. Donc on est quand même vraiment très gâtés dans ce calendrier. Moi, mon avis, mon ressenti
tout de suite, c'est ni plus ni moins, on sent que ça a été fait avec le cœur. Vraiment, on sent que bah, les gens qui sont derrière, on sent que c'est des géocacheurs, on sent que c'est du passionné, on sent qu'ils savent ce qui va nous faire plaisir. Il y a vraiment, voilà, sincèrement, on en a largement, enfin moi, à mon sens, hein, je donne que mon avis personnel, on en a vraiment pour notre argent. Juste cette boîte. Voilà. C'est du bois, vous voyez, il y a de la place, elle est vraiment réutilisable. Moi, je vais ranger pas mal d'affaires dedans, j'ai pas mal d'affaires de géocaching qui traînent et elle va vraiment m'aider à pouvoir classer des TB, etc. Enfin, vraiment, elle est plutôt chouette, elle est robuste en plus, c'est ça, légère et robuste. Donc voilà, je sais que Cache Village met environ 7 heures pour fabriquer un seul calendrier grillé de l'avant. Donc ça compte la fabrication de la boîte, la mise en enveloppe de certains... de tous les jours, en fait, chaque jour faire une enveloppe. Pour certains, donc il y a des trucs qui sont à fabriquer à chaque fois à l'unité, les pièces de puzzle, etc. 7 heures par calendrier de l'Avent. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, enfin, je vois 7 heures de travail pour un calendrier de l'Avent. Waouh! Et ça se ressent, on sent là, c'est là qu'on sent que ça a été fait avec le cœur, on voit que bah, ça a été fait main, ça a un côté très marché de Noël en fait, et c'est ça que je trouve vraiment super, c'est ce côté marché de Noël qu'on ressent. Voilà. Donc ça, c'est mon avis, et je trouve franchement que ce calendrier valait vraiment le coup. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sur la chaîne qui ne l'ont pas eu et qui sont très contents d'avoir pu le découvrir avec moi, et ça, je trouve ça fun, il n'y a pas eu de rageux dans l'histoire, et ça, c'est génial. Donc franchement, moi j'ai qu'une attente, c'est de voir celui de l'année prochaine. Il y a 345 jours à attendre avant le prochain et ça va être long. Non, vraiment, il n'y avait pas en plus de... Ça n'allait pas, entre guillemets, crescendo les cadeaux. Il n'y avait pas cette attente de dire « Ouais, demain ça va être mieux, demain ça va être mieux » et il n'y avait pas de déception si c'était pas mieux. Au final, moi j'ai pas eu de déception parce que ce soit le crayon de papier ou un TB, pour moi, la joie est la même parce que ça va me servir dans le geocaching. Et vraiment, c'était pas crescendo, c'était linéaire en fait, et il y avait des petites surprises. Ça permet en fait de, voilà, d'un jour d'avoir un patch. Donc le patch, ça fait toujours plaisir, etc. C'est un utilitaire, enfin un utilitaire, c'est esthétique quoi. Et d'un coup, pan, le lendemain, on tombe sur une cache magnétique. Voilà, c'était vraiment le truc, c'était l'émotion chaque jour en fonction de ce qu'il y avait. Il y a eu des surprises parce que moi, ça, au départ, j'ai eu un petit doute sur ce que c'était. Surtout, je pense, j'ai eu pas mal de retours sur le gobelet là quand je l'ai sorti comme ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est-il? Et au final, bon, ben voilà, on a un super gobelet. Non, vraiment, moi, de mon point de vue, je suis vraiment très content. Et voilà, il n'y a pas un seul élément ici qui va pas me servir. J'attendais juste que le calendrier de l'Avent finisse pour en utiliser certains. et voilà, donc non, vraiment, c'était une belle découverte, c'était un très bon moment, c'était 24 jours vraiment, à chaque fois, Greux pourra le confirmer, j'étais comme un gosse. Le matin, c'était je me lève, je vais me doucher, je sors la caméra et bim, j'ouvre direct. Il y a des matins où j'ai tourné entre 6h30 et 7h. Voilà, c'était vraiment le vrai gamin, c'était un vrai plaisir et j'y allais pas les pieds devant. J'ai eu aucune déception, quoi. Même sur du badge, moi j'étais pas au courant du projet APE, même sur le badge du projet APE, j'ai absolument découvert. J'étais content parce que je dis qu'est-ce que c'est, j'ai appris un truc. Voilà, le moindre truc c'était drôle quoi. Les badges, donc Geocaching Queen et Geocaching King, bah, Greux et moi, on est tous les deux un couple, donc on va pouvoir s'amuser à avoir le King et la Queen, voilà, dans les events, etc. On peut vraiment s'amuser. Et non, vraiment, vous le voyez, hein, de toute façon, je suis vraiment emballé par ce calendrier de l'Avent. Et mon ressenti est simplement 100% positif. Il y en a, ils m'ont dit, ça te paraît pas cher, parce qu'il faut compter 36 euros de mémoire, je me trompe peut-être, mais environ entre... Ouais, je crois que c'était 36,90€, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, bah attends, je peux pas te dire si c'est cher ou pas, je l'ai pas ouvert. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que, bah sincèrement, quand je vois ça, on en a pour notre argent, quoi. Je regrette absolument pas mes 36 euros, sincèrement. Voilà, je sais qu'en France, on parle pas d'argent, c'est pas bien, etc. Mais moi, je dis les choses comme c'est, je regrette absolument pas cet investissement, voilà. Et donc voilà, ben, c'est fini. C'est dur à dire, mais voilà, c'est fini pour le calendrier de l'Avent. On va reprendre maintenant un rythme de vidéo un peu plus normal. Et demain, de toute façon, on se retrouve pour l'unboxing de la box mensuelle de Cache Village qui est faite en fait pour être ouverte à Noël. Donc voilà, hein, y a plus qu'à attendre demain. Je vous donne pas d'heure, ça va vraiment dépendre
On est à Noël, donc c'est un peu particulier entre les repas, etc. Je vous donne pas d'heure, mais promis, elle sera là demain. En tout cas, merci à vous tous et vous toutes vraiment d'avoir suivi tous les jours les unboxings. Et j'ai été impressionné parce que j'ai regardé vite fait les stats hier des vidéos et il n'y a pas une vidéo qui dénote au niveau de l'unboxing. Vous avez toujours été aussi nombreux quasiment et de plus en plus nombreux même à suivre ces unboxings, à commenter, à donner votre avis, à donner votre ressenti par rapport des fois à d'autres calendriers de l'Avent qu'on peut voir, donc chez d'autres marques, hein, etc. C'était plutôt sympa, on a pas mal parlé sur les réseaux sociaux de ce calendrier de l'Avent. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont trouvé génial, qui ne savaient pas qu'il existait et qui l'année prochaine vont faire la queue également pour aller acheter le prochain calendrier de l'Avent. Donc voilà, merci vraiment de cet esprit de communauté, cette super communauté qui est maintenant là sur la chaîne. Et on est de plus en plus nombreux et voilà, j'allais dire la famille s'agrandit et c'est vraiment génial. Merci à vous toutes et à vous toutes de ce que vous nous faites vivre et c'est grâce à vous qu'on avance autant sur la chaîne. Je vous dis à très vite, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël et Greux se joint à moi, malheureusement elle est déjà au travail, mais je vous souhaite vraiment à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes et de passer un très bon réveillon. À très vite, Géo Amitié les amis, ciao ciao.